Et bonjour tout le monde, c'est Ryu, on se retrouve pour le cinquième épisode du Let's Play sur Cat Quest 2. Dans l'épisode précédent, on a fait pas mal de petites quêtes annexes avant de reprendre notre quête principale. On a récupéré une capacité, c'est quand on se déplace, on peut blesser les ennemis. Ensuite, on est arrivé dans le royaume des chiens, mais moi je voulais revenir dans le royaume des chats pour faire un peu de quête annexe. Il nous en reste un peu. Donc ce que je vous disais... Je peux blesser maintenant les monstres en leur roulant dessus. J'avais deux trois petites quêtes qui me restaient à faire. Bon, après on n'a pas exploré toute la map hein, bien entendu, mais là il me reste peut-être au niveau de la chapitale, il me restait une quête. Là, il me reste une quête avec le magicien. Là, on n'y a pas été encore. La baie des pattes. Voilà, la map, elle est encore très très grande. Il y a plein de zones où j'ai pas encore été. À la limite, je vais aller activer le marqueur du roi là-haut. Pour la beach, je n'y suis pas encore allé. Quand j'y suis pas encore allé, je crois. Les villes jumelles. Il n'y a pas encore été. Donc voilà, il nous reste encore pas mal de petits trucs à découvrir. Et avant d'avancer... Ah, là il y a une quête. D'ailleurs, celui-là, je ne suis pas encore... je suis pas encore allé. Il reste. Là, il y a encore. Là, il y a des trucs, mais il faudra sûrement que j'apprenne à marcher sur l'eau. Donc voilà, il me reste vraiment beaucoup de choses à faire. C'est pour ça que je voulais d'abord rester dans le village des chats. Enfin, dans le pays des chats. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu améliorer mon arcane magique. Je me souviens à présent, je peux ouvrir la boîte avec ma baguette de Serval. Aidez-moi à la récupérer, je vous en prie. La baguette est dans mon royaume magique personnel. J'ai besoin que vous vous y rendiez et que vous la rameniez ici. Je peux canaliser un sort pour révéler l'entrée. Bah avant d'y aller, on va sauvegarder pour récupérer notre magie. En tout cas, j'espère que vous allez bien. J'enregistre cet épisode dans la foulée de l'épisode précédent. Je vous l'ai dit, hein, je vais enchaîner pas mal les épisodes maintenant. Oh, il doit y avoir un labyrinthe. Contentez-vous de suivre les torches. Si je me rappelle bien, il doit aussi y avoir des raccourcis. Gardez les yeux grands ouverts. Les raccourcis, en général, ça sent pas bon. Ok. Oh, mais arrête de me laisser, toi. Là-bas, il y a les gros gardiens. Vraiment où je suis. Ça devait être plus loin à l'entrée, je pense. Je
tuer du dragon. Niveau 27 qui est cool, qui tombe pile au bon moment. On va récupérer la baguette de Serval. Ah, j'aurais dû explorer tout le. Je me suis dit que j'allais retourner à zéro en fait. Vous donnez à l'ancien mage la baguette de Serval. S'il y avait peut-être des coffres, je sais pas. C'est ça, miahaha, je sens la puissance. Ma puissance est presque complète. Oh, tenez, prenez mon vieux bâton. Revenez me voir. C'est relou, là. J'ai presque niveau 20. J'ai ouvert le coffre, vous vouliez le manteau, n'est-ce pas? La vengeance de grain de poing. Le mage ancien vous montre le manteau de fourrure d'invisibilité. Oh, tellement mignon, vous pensiez vraiment que j'allais vous le donner? Je suis grain d'Elpoil, et j'utiliserai ce manteau pour peaufiner ma vengeance contre Chabeldor. Oh, vous êtes troublé, l'un des cristaux de la mémoire était corrompu, vous vous souvenez? Mais comme je me souviens de tout maintenant, je vais vous le montrer. Vous savez que je voulais effacer l'existence de la magie, non? Et si j'utilisais plutôt la magie du temps pour piéger tous les chats des villes dans un rayon temporel gelé? Ils erront sans but pour toujours. Attendez, vous ne pouvez pas simplement punir les non-magiciens. Deux erreurs ne font pas une vérité. Eux aussi vous traitent mal, Chabeldor. Ce n'est pas nous qui devrions changer. Vous allez vraiment le faire? Essayez seulement de nous aider. Il faut que vous voyez ça. Après ça, Chabeldor a saboté mon sort et m'a emprisonné dans son royaume. L'heure de ma vengeance est venue. Il doit être au Chartier Général. Le palais au Chartier Général de l'Arcane. Désolé, j'ai pas le temps, mon petit mouton. Essayer de sauvegarder dans une ville à côté. Je suis un peu déçu parce que j'aurais bien aimé. Ah, je peux pas sauvegarder. J'aurais bien aimé être sûr que je n'ai rien oublié dans la zone précédente et j'ai peut-être oublié un coffre. Donc, apprenti, nous ne devons pas mépriser les noms magiques. Mais, miroir, vous avez libéré Grindelpoil. Il est très puissant, je vais devoir. Ah! Vous allez faire quoi, grand-père? Ou devrais-je dire, Chabeldor?
Vous ne pouvez pas me battre. Vos apprentis vont se joindre à moi. Quoi? Vous les deux rois, vous avez trop peur pour vous approcher? J'ai pas peur. Juste sauvegarder. Donc en théorie, la magie leur fait peu de dommages à eux. J'aurais dû faire ça d'abord. J'augmente mes magies hein, parce que vous savez que c'est utile quand même dans le jeu. Et c'est parti. Tournez le poil, tire sur le manteau de fourrure d'invisibilité. Voyons quand vous combattez un ennemi invisible. Pas dur, t'es pas si invisible que ça, mon gars. On va récupérer le manteau de fourrure d'invisibilité qui est tombé et... Le gars de Serval, vie, moins 99%. Ouais, non. Je vais utiliser la baguette de Serval. Soupir. J'aurais pu le détruire par le passé, mais j'ai préféré fuir ce fardeau. Finalement, la fuite ne fait qu'entraîner un cycle de haine, comme cette guerre. Vous tendez le manteau de fourrure d'invisibilité à grand-père. On n'a pas besoin de ça, on n'a plus besoin de courir. Nous allons nous battre pour mettre fin à cette guerre. Les rois, gardez le manteau, merci de nous avoir sauvés et bonne chance. Et niveau 28. Ah, oh, c'est cool, on progresse quand même dans le jeu. Je voulais donc voir la map. On a dit qu'il fallait aller au nord. Je vais activer des points de téléportation. Il y avait un tout au nord. Là-bas, marqueur du roi. Et on a dit là, donc il y en a ici, marqueur du roi. Il y a des quêtes ici. Activer déjà les points de téléportation. Et bien au début on avait du mal à les battre ces petits monstres là, et puis maintenant on a un peu de magie, on n'en parle plus. Des petites têtes. Par contre, on voit qu'ils sont eux, ils sont plus, enfin plus on avance dans la map, plus ils sont résistants. On va voir à quel niveau est la quête. Hey, guerrier au pas de puissance, ça vous dit de chercher une légende ancienne? On voit que je suis déjà même pas assez fort alors que... Pourtant je m'entraîne bien. Là-haut, on y va comment? J'ai l'impression que je peux pas y aller tout de suite là-haut. C'est pas grave. C'est pas les villes jumelles. Parce que là, la forêt elle est à moitié brûlée. J'ai pas l'impression que... Ah si, par là je peux passer. Par là... Là on voit niveau 35.
lui donne pas mal d'expérience. Comme ça, en fait, on pourra aller un peu plus vite dans les... dans les futures quêtes, une fois qu'on aura débloqué tous les points de déportation. Livre des premiers rois, passage 2. Des rumeurs, des on-dits parlent d'un maître ancien, dernier à avoir été banni. Aelius, il se nommait. Et c'est sur lui que la faute fut rejetée. Hop. Donc là, il nous en manque un. Voilà, j'esquive un peu les combats, hein, mais pas très grave. De toute façon, je fais les quêtes, etc. Oh, un buisson qui parle. Livre des premiers rois, passage 3. Demeurez fidèles à Aelius, les Dracossans, devant la crue qui s'annonçait, prêtèrent serment. Lorsque l'heure du bannissement arriva, ils se battirent de toute leur force et de toute leur foi. Ok, donc là, côté village des chats, j'ai débloqué toutes les, tous les téléporteurs. Psst, ici, hey, je me cache dans les buissons. Vous pourriez m'aider à récupérer des provisions volées? Les provisions ont disparu, alors je me suis caché dans ce buisson pour étudier la situation. Il s'avère que les soldats royaux volaient la marchandise pour eux-mêmes. Il existe deux chemins qu'ils prennent habituellement. Ils viennent de partir, alors choisissez le bon chemin et ramenez les provisions. On va aller juste aller combattre le petit dragon qui est là-haut. On voit ici, il n'y a rien. Yuke, divisez les provisions pour qu'on puisse en rendre à... Oh, miaou. Nous avons été compromis, Rocky. Aidez-nous. Allez, viens là, troisième. Et où je pense qu'ils sont partis. Oh Seigneur, ils sont encore ici. Prenez-le, ne nous arrêtez pas, courez. Vous prenez la caisse de provisions. Merci pour les provisions, je les redistribuerai plus tard. Tenez, prenez ceci. On forme une bonne équipe, venez me retrouver. Quête achevée. Et... qu'est-ce qu'il y a par là? Putain, qui est derrière. Hey, c'est encore moi, il y a des traîtres par ici. Vous devez m'aider à les démasquer. Volez aux riches. Il y a des chats des villes traîtres qui donnent notre or aux soldats du roi Agra. Ils se trouvent dans la grotte Fastoche. Allez leur donner une leçon. J'aime pas le nom de la grotte Fastoche. Je suppose qu'il est moins facile que son nom le laisse penser. Voici provision, j'espère qu'il y en a assez pour le moment. Il y a quelqu'un, courez! Je suis là, trouvez-moi, pas les autres, moi.
Ah non, cache-toi là. Je vais aller directement sur l'autre. Aïe. S'il vous plaît, les autres sont innocents. Si vous avez besoin d'arrêter quelqu'un, arrêtez-moi. Attendez, je me rappelle que Kirin nous les a présentés. Ils sont de sang royal. Mais roi, ces soldats enfreignent la loi pour nous aider, nous et les chats des villes. Sans eux, nous devrons remettre toutes nos provisions et notre or à l'armée et en vue de la guerre. Mais roi, vous dites qu'un buisson vous a envoyé après nous. Le buisson doit être un espion. On doit découvrir ce buisson, vos majestés. S'il vous plaît, retrouvez-moi dehors. Ok. On se retrouvera ici, vos majestés. Je vais imaginer un plan. Oh, et prenez ça. Hop, niveau 30. Vos majestés, nous avons un plan pour débusquer le buisson. Pouvez-vous nous aider? Allez, on va le tenter quand même, niveau 30. Donnez aux pauvres. Vos majestés, vous allez devoir attirer le buisson jusqu'à l'endroit que j'ai marqué. Le mage va le piéger et dévoiler la vérité cachée sous ses feuilles. Bonne chance. On va tenter le niveau 30. Je suis enfin de retour, je parie que vous avez donné une bonne leçon à ces traîtres. Ah mais mince, j'ai oublié un coffre dans le truc. Oh le boulet. Il faut que je vous confirme quelque chose. Montre le chemin, je vous retrouve ici. J'ai oublié un truc dans la grotte. J'ai oublié le grand coffre.
C'est pas comme si le bâton de glace je m'en servais à chaque fois quoi. Des fois je réfléchis pas. Allez, on va faire la petite quête. Alors, qu'est-ce qu'il fallait que je voie? Je l'ai eu, il utilise un sort magique pour se cacher, je vais annuler le sort. Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que vous faites? Mon déguisement. Oh, espèce de traite à l'armée royale, vous allez le regretter. Agence 0 minus 7. Vous ne savez pas qui je suis l'agence 0 minus 7, le meilleur espion de l'armée. Les agents sont partout. Agent 8, agent 10, sortez. Vous avez payé pour avoir détruit mon déguisement. Oula! Ah. Déjà, il y en a un de moins. J'ai pas de mana, j'ai pas de mana. J'ai pas de mana, j'ai pas de mana. Mais mes rois, par ici. Tu me permets que j'aille me soigner avant. Tu vas me permettre. Merci d'avoir vaincu les espions. S'il vous plaît, prenez ceci. Bâton de glace, il augmente bien. Nous continuerons à aider les chats des villes et les mages. Bonne chance, vos majestés. Code 31. Déjà on va faire une petite sauvegarde. Je crois qu'on approche des 30 minutes d'enregistrement. Pour va regarder un petit peu. Donc là, il n'y a plus de quête. Par là, il n'y a plus de quête non plus. Au village, là, il n'y en avait plus. Là, il n'y en avait plus. Là, il n'y en avait pas. On restait au niveau de la capitale près de Minou. Là il n'y en avait pas, là j'y suis pas encore allé. Là j'étais, c'était niveau 30 je crois demandé, donc c'était pas encore assez fort. On va juste aller à la capitale. Non, je retrouve le chemin. Je crois qu'on est un peu plus d'une demi-heure d'enregistrement. Donc si c'est le cas, on s'arrêtera là les amis. J'aime bien prendre mon temps, faire les quêtes annexes, etc. pour progresser. Bon, on est juste à 30 minutes, donc on va se faire un petit, plaisir, on va avancer sur cette quête annexe. Et vous là, je suis avec vous, une fois que la note sera prête. L'affaire du mot de passe secret, niveau 20. Salut mes chéris, où est la note décodée? Ninja chat violet, nouvelle cachette dans la cave de la forêt poilue, n'oubliez pas le mot de passe. Je l'aurais parié, ces ninja chat détournent ma marchandise depuis longtemps. Si le plan est dans leur cachette, nous avons besoin du mot de passe. Ils ne prendront jamais le mot de passe. Oh, on dirait qu'il connaît le mot de passe. Tu dois être l'un des 10 ninja chats déguisés. Prenez-lui une mot de passe Altesse. Et faites attention, il possède des sorts de ninja casse-pattes appelés Miaoutsu.
pas de mot de passe pour vous. Je vais vous montrer la puissance d'un ninja violet. Poudre féline, Miaoutsu. Quoi? Un bélier? J'étais censé invoquer un éclair. Je vais essayer. Poudre féline, Miaoutsu. Toujours pas. Si j'essayais feu, Miaoutsu. Bah, ça fait rien. Ça peut marcher. Attrapez-les. Vous ne me trouverez jamais. Ok, j'ai vu. Dans les derrière buissons là-bas. Aïe. M'embête quoi, m'envoyer des boules de feu. Vous m'avez peut-être trouvé, mais devinez quoi. Vous voyez ça, c'est la vraie armure d'un ninja violet. Je vais vous battre, sans pitié. Ah, attendez, je suis poilement désolé, je vous donne le mot de passe. Le mot de passe est Miaoruto, c'est tout ce que je sais. Merci d'avoir fait preuve de clémence. Ici, ici, Altesse, je voulais voir si ça allait. Vous avez le mot de passe? J'ai bu le boulot, Altesse. Voilà, j'ai trouvé ceci en venant ici, je vous le donne. Capuche de Ninja Violet. Je vais retourner à la forge de la chapitale. Faites-moi signe de nouveau quand vous y serez. On va y aller tout de suite, allez. On va y aller. On va avoir sauvegardé, bien entendu, mais... On va faire encore... une quête pour progresser. Si, enfin, ce niveau le permet, mais il y a des chances que ce soit niveau 25. Hé, hey, vous là, maintenant qu'on a le mot de passe, récupérons mes plans. Salut mes chéris, il est temps de se rendre à la cave de la forêt poilue et d'utiliser le mot de passe. On peut enfin récupérer mon plan. Bonne chance mes chéris. Et doucement, je suis pas un garçon facile moi. La cachette quelque part dans la cave. Aïe, oh le boulet. Je vais regarder le coffre, j'ai pas fait attention au... Non mais arrête. Mage blanc. De mana. Mot de passe. Attendez, qu'est-ce que c'était que ça? Vous devez parler plus fort. Ah, c'est pas grave, j'arrive. Ah là, je suis la boss. Pourquoi c'est moi qui surveille l'entrée?
Attendez, vous n'êtes pas un ninja violet? Oh, je comprends, vous êtes les sbires de Minou. Vous êtes là pour le plan. Bien, elle le mérite. Nos précédents chefs sont tombés sous son charme. Ils nous ont abandonnés pour essayer de se marier avec. On dirait que vous ne partirez pas sans vous battre, hein. Très bien. Clone poilu, Miaotsu. Attaquez-les, Miaotsu. Ah oui, d'accord. Je vais mettre les piques. J'ai un peu guéri. Youa, c'est trop tard. Minou va disparaître. Tous. Reçu DR490, numéro 1, plan, paiement, la chute de Minou, progression, assassin envoyé, l'armée royale. Ah. Par contre, il y a des caisses que je peux pas récupérer encore. Voilà Altesse, je me suis fait un sang d'encre, venez ici. Vous donnez le reçu à Minou. Désolé. Oh, un assassin me cherche et il a mon plan. Boule de poil. Oh, attendez, tenez avant que j'oublie. Une récompense pour votre travail dur. Je suis sûr que l'assassin viendra plus tard. D'ici là, je serai à la forge de la chapitale. Et on est presque au niveau supérieur. Bon là je pense qu'on a assez fait de quêtes annexes pour cet épisode. Donc voilà les amis, j'espère que ça vous aura plu. Nous on va se retrouver très bientôt pour la suite de nos aventures sur 4 Quest 2. Et d'ici là, portez-vous bien, à bientôt, ciao.